Dis-moi. Appelle-moi. Tu as la chance. Tu as ta chance, je te jure. Je m'en vais à la veillée. La femme, s'il ne dort pas, donc tu vas rester avec lui. S'il pleure, vérifie sa couche. Et si tu constates qu'elle n'est pas mouillée, joue avec lui. Ou donne-lui son numéro. Est-ce que tu m'as compris? Madame, non. J'ai dit non. C'est quelle chose cette manière-là? Parce que les filles, je te rappelle que dans cette maison, c'est moi l'athlète. C'est moi l'alpiniste. C'est moi qui t'escalade. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton. Tu me demandes de rester, garder l'enfant, jouer avec l'enfant. Je suis un clown. Qu'est-ce que c'est ce matin? C'est pas parce que j'ai dit. Je te rappelle que quand j'ai travaillé encore le pont, je ne peux pas. C'est que ça, c'est ma manière. Je vais descendre dans la rue, revendiquer mes droits, je vais partir. Je dis non. Je ne veux pas. Et que ça reste ici, je ne joue pas. C'est quoi? Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Tu sais que dans ce couple, je suis le président de la République et toi, tu es Clément Attanadon. Tout ce que tu dis est recevable. J'ai compris. Ok. C'est vous. Maître Doki. Tu as gagné, non? Et toi, le petit salopard, à ton âge, tes égaux d'or, tu es là debout comme un coquin. Ton coup est à la tranquillité des gens. Vois comme il est laid. Et toi, mouffe! C'est-à-dire, mouffe! Ton thème. J'avais déjà pissé au moins 36 fois. Il avait déjà fait le renouveau de mes couches. À cet âge, si tu es là debout, tu n'arrives pas à dormir. Moi, je te dis, je vais te faire du mal. Je viens de rentrer, je ne me suis même pas encore chargé du merci. Tu vas rester là comme un enfant sage. Et tu regardes la télé. Tu as compris, Doudou? Je te mets la musique. Tu as compris. Les enfants de ton âge écoutent la musique. C'est quoi? J'ai pas dormi un peu seulement. Un peu. Tu n'aimes pas la chanson de la Bible. Attends, je te mets une autre chanson. Ma camarade me sort toi, mieux, ma aide, ma bonne, bien, vous, et moi. Avenir. Ma camarade me sort toi, mieux, ma aide, bien, bien, vous, et toi. Si tu te rends bien, mon amour, on vient de Écoute la pizza, comme à l'époque de Dorothée. Son père était pasteur et lui était de là. Écoute, j'arrive, hein. Bébé, oh. Je dors un peu seulement. Je vous comprends. Je dois avoir un bandit. Bandit. Cette fois-ci, j'en ai marre. J'en ai marre. Merde de mes couilles. Petite chanson, si tu mets ça. Voilà. Voilà. Écoute, Jean Macho, le choc a des bonnes amies. La mec qui l'a bien, on a vu la chose. Oh, comme il a un la fille de l'Oka. Tu peux nous mettre à aller voir la mer.
petit Moussa. Hein, à l'époque. Adam, à l'époque. Je veux te raconter une histoire. Mais dans le fond, les gens sont contents de même les paroles. On ne perd pas de vue l'essentiel. Tu danses. On sent un enfant qui veut escalader pour aller à la fête. Noctambule comme sa mère. Fiston. Bon. Je profite. Vu que nous sommes restés tous les deux dans cette maison, pour te dire quelque chose que je voulais te dire il y a longtemps. Et je veux que tu rentres ça bien dans ta ciboule, parce que je ne vais pas me répéter. Je t'avertis, toi, enfant en paix. Voilà, ça va. Je ne t'avertis pas. Ça va, Yévo. On va poser, on pose. On va arranger nos condensiers. Elle attend condensier. Les enfants de Bolia. Le condensier. Fiston, vu que tu es prêt à ce qu'on aille au condensier, il faudrait qu'on parle d'homme à homme. Je m'appelle Esomba Bakus Toukoula, alias Beauregard, fils de Mvamba Timothée, neveu de Mbine Mondoula, philosophe du Tabel, candidat aux élections de Jésus. Ton père, c'est moi. Grâce à la force de mon expérience, j'ai su tirer un pénalty sérieux. Et avec la force de notre diversité, ta mère et moi, nous avons pensé à notre futur. Ce qui t'a donné. Je voudrais donc te demander si, par mégarde, je t'avais fait quelque chose qui t'a choqué un peu et tu as décidé de me nuire. Parce que je ne comprends pas. Depuis que tu es arrivé, je n'ai plus droit à l'article 2 dans un maison. Le retour de mes virées nocturnes, un petit minuscule massage, je n'en ai plus droit. Dès que maman a l'intention de fourrer ta mère, tu as droit. Est-ce que par hasard, quand ta mère t'a mené en vacances dans son village, ses oncles, tes oncles, ses frères ne t'ont pas chargé d'une mission liée au fait que je n'ai pas payé la dot? Alors peut-être tu es mort quelque part, tu es venu de naître chez moi. Mais quand je te regarde, tu as le nez comme les clés d'un minute. Ton grand frère en prison, donc tu es mon fils. Ta bouche, comme le Kumbosala, est comme celle des journalistes de notre pays, ce qui va mal et tout, quand ils n'ont pas encore mangé. Ta tante est à l'esprit. Tes yeux là, c'est comme les yeux de quelqu'un qui est intelligent. Moi j'étais dans les rats à l'école. Toujours premier des échoués. Tu as les doigts d'une secrétaire. Cette femme vaillante à la profession noble à l'époque. Moi aujourd'hui elle secret déjà tout, même la sécrétion de la patronne. Mon fils, je t'ai fait quoi? Il y a des hommes qui mettent les grossesses, ils abandonnent les enfants, ils partent. Moi je suis restée.
J'ai subi le martyr. Je n'ai pas voulu te tuer comme les Russes qui tuent les Mexicains. Je suis resté devant le fait. Je me suis privé de la bière, de l'alcool. Cette substance nutritive importante pour un citoyen de mon pays. Et pour cela, je n'ai même pas reconnu ça. J'espère que je suis ambassadeur dans cette maison. Je représente ma famille dans la famille de ta mère. Mais j'ai droit aux avantages liés à ma profession. Et donc, fini ma mère. Et sur ma baptiste tout couleur, la réserve de tout le quartier. On me bastonne à gauche, on me bastonne à droite. Je subis parce que l'amour de ta mère est violent. Tu es en train de grandir, hein. Tu seras parent et tu comprendras ce que je subis. Vous aimez bien aujourd'hui. Nous à l'époque, avec le CP, tu travaillais. Maintenant, avec les doctorats, il y en a qui jouent. Si le directeur n'est pas de ton village, tu échoues. Équilibre régional. Hey! Tu sais, mon fils, tu es un Camerounais, comme moi. Les diversités ne sont pas des adversités. Et les différences ne sont pas forcément des divergences. Je n'ai pas de problème avec toi. Je suis brun, tu es noir. Tu sors d'où? Mais je t'accepte. Oui, Maman. Je sens ma femme venir. Mais je te dis, tu es mon fils. Mais tu n'es pas mon fils, tu es tous les fils. Si un jour tu décides d'être marié, ne choisis pas ta femme en fonction de sa tenue. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les métissages donnent la beauté de l'arc-en-ciel. Tu comprends? Tu es né à une époque où les réseaux sociaux ont transformé les choix des uns et des autres comme des signatures, des arrêts de mort. Les tontinards, les sardinards, les frères du même quartier se visent les cailloux, ils s'insultent et se promènent la mort pour des intérêts politiques. Pourquoi, fiston? Pourquoi? Grandis, deviens un homme. Et quel que soit ton corps de métier, choisis un corps de métier fiable. Si tu décides d'être un politicien, sois un politicien présent. Pas ceux qui approchent et qui se font voir la cour des élections. Les opposants, les politiciens qui ont dit, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Tu comprends? Ne sois pas comme cela. Si tu veux être un footballeur, sois un footballeur vrai. Parce qu'ils réussissent à tisser des affinités pour nuire à leurs autres. N'achète pas les postes dans l'équipe nationale et venez nous souiller. Tu comprends? Si tu veux être un fonctionnaire, sois ce fonctionnaire rigoureux parce qu'il fabrique les bulletins de maladie pour aller s'asseoir quand ils mangent l'argent de salaire en complicité avec leur patron. Tu comprends? Si tu veux être un homme en tenue, un agent des forces de l'ordre, ne sois pas un arbitre de touche qui siffle à tout moment pour collecter les impôts. Mais prends 20 ans pour ça. Non. Sois un agent des forces de l'ordre brave. Pas seulement pour empêcher aux gens de manger. Tu comprends? Tu veux être un professeur. Sois ce type de professeur fiable et loyal. Pas les professeurs d'université qui cherchent les positionnements et viennent parler à la télé, à la radio, en mettant en mal et en danger qui discrédibilise la matière grise. Ça, c'est inquiétant. Tu veux être un artiste, sois artiste, un vrai, qui prend la société telle qu'elle est. Pas le genre d'artiste qui s'allie derrière les formations politiques à la cour des élections pour manger un sujet tout le monde, alors qu'ils savent écrire leur nom. Tu comprends?
j'ai mal parce qu'à l'époque, il y avait le patriotisme. Maintenant, il y a le priotisme. Les gens mangent. Pour la carte. Je m'en ai donné des conditions pour battez-vous. Battez-moi ce homme. Mais ne touchez pas mon pays. Mon pays.